salut. Monsieur Alec, oui, vous avez 6 mois et 5 minutes de retard. Navré, Capitaine Singh. Merci encore de m'avoir offert ce congé sabbatique, mais me revoilà. Je repars au travail et je vais passer une merveilleuse journée. Désolé. Excusez-moi, laissez passer, conseiller spécial, expert technique, c'est moi. Regardez le badge, il n'y a pas plus officiel. Il est au courant que ce badge est en plastique, j'espère. Et mec, je suis en retard, navré, mes boucles refusaient de coopérer avec mon peigne. Oh, quelle horreur! Pourquoi vous m'obligez à voir ça? J'adore les thérapies. Oh, ce n'est pas votre première fois. J'en ai suivi une quand j'étais petit, après la mort de ma mère. Oh, votre mère. Oh. Mais j'en ai fini avec ça. Enfin, je suis pas heureux que ce soit fini, c'est évident. J'avoue que je préférerais qu'elle soit vivante. Je dis seulement que j'ai fait la paix avec ça, alors je crois pas que ce soit la peine de le noter. Je collectionnais des revues d'informatique quand j'étudiais à la fac. T'es sûr que tu collectionnais pas un autre genre de revue? Oui, ça aussi, mais c'était de la recherche. C'était de la recherche sur les... Mon père aussi est mort. Paris. C'est juste pour les notes. Ko m'a envoyé un best-of de mes séries préférées à 1000 fois la vitesse. Oh non, Jon Snow est mort. Ah non, il est encore en vie. C'est mortel ici, génial. C'est un vaisseau spatial? Oui, c'est ma capsule. J'adore cette terre. Hey, Wynn, tu peux me prendre en photo devant? Ah ouais, bien sûr. La classe. Oui. D'abord, on a grandi ensemble tous les deux. Et ensuite, je me suis fiancée à un autre homme. Oui, je vois. Ça vaut la peine d'écrire ça. Parce que lui aussi, il est mort. Oh. Sisko, tu en es où avec ces anticorps bio-numériques? J'en suis nulle part. Bon, en fait, non, si, je sais où je suis. Je suis dans mon placard. Apparemment, dans mon placard, grand dimensionnel. Je sais pas si ce placard a une porte ou des fenêtres, mais s'il en a, je vais sauter dans le vide. Je vais lui parler, vous inquiétez pas. Est-ce que vous êtes tous malades? Vous avez dû vivre de nombreux traumatismes, n'est-ce pas? Enfin, non, c'est rien. Eddie et Ronnie. Oh, c'est presque rien. Ma mère, Asher. Rien de bien méchant. Laurel. D'accord. Smart. On a peut-être enterré quelques personnes. C'est ma faute. Je vais peut-être coupable. Je crois qu'il faudrait d'abord réussir à s'écouter un peu plus. Pas vrai? Ouais. Où on risque de se blesser sans vouloir. Comme quand on envoie sa voiture contre un mur à 180 km/h. Elle veut dire d'un point de vue émotionnel. Quoi? Ouais, j'en étais sûr. Oui, Arrow et Oliver Queen. En fait, j'ai d'abord fait une liste de 150 personnes minimum, mais ils faisaient partie de cette liste. J'avais pas besoin que vous me sauviez. Quoi? Vous tombiez d'un gratte-ciel. Si je n'avais pas été là, vous vous seriez écrabouillé par terre. Il faut que je retourne en ville. D'accord. Wow. C'est nouveau, ça. Alors, qu'est-ce que vous attendez précisément de cette séance? Eh bien, je souhaite seulement être sûre que Barry entende mes inquiétudes à propos de nos problèmes de communication. Oh, j'ai une urgence. T'as une urgence? Il a une urgence. Oui. Désolé, c'était extrêmement... Désolé. Et vous allez noter qu'il est sorti un coup de vent? Oui. Oui. Ouh, qui c'est la meilleure? C'est toi. Oh. Vous êtes en feu? Non. Ça n'a pas l'air de vous perturber plus que ça d'être en feu. Faut qu'on fasse ce qu'on nous demande de faire, c'est important. Oui, mais ça aussi. Si on a du mal à communiquer, Barry, des gens vont mourir. Métaphoriquement. Et maintenant, il faut que je baptise ce héros. J'avais pensé à Météore ou Éclair Rouge ou la comète. Et pourquoi pas Flash? Je dis ça comme ça. Ça fait hyper cool comme nom de super-héros, non? Flash? On dirait le nom de quelqu'un dont le seul super-pouvoir est de surgir d'une allée en brandissant un appareil photo. Non. Je veux du mystère, je veux de l'intrigue, je veux la comète. Oui, mais par exemple, en allant assez vite, il devient possible d'ouvrir une brèche et de voyager d'un monde à l'autre. Exact. Comment on peut aller aussi vite? Eh ben... Génial! Ouais, je vais devoir annuler notre rencard. Si tu me vibes à jamais, ça peut être au Bahamas. Hi, qu'est-ce qui te prend? Tu m'as caché que tu connaissais Oliver Queen!
Je connais Oliver Queen. Oh mon Dieu, il est encore plus beau en vrai. Et ses bras font au moins deux fois la taille des tiens. Oh, t'exagères, ils font pas deux fois la taille des miens. Salut. Je propose qu'on s'éloigne de cette gentille dame et qu'on règle ça entre femmes. Quoi? Vous êtes plus nombreuses que moi? Viens par là.